Ils étaient nombreux ce lundi à la cathédrale de Douala au Cameroun pour l'un des derniers hommages au cardinal émérite Christian Toumi, décédé à l'âge de 91 ans. Sa mort, survenue en début du mois d'avril, avait ému tout le Cameroun et de nombreux catholiques pour qui il était un fervent avocat de la paix dans la crise anglophone. Pour le peuple de Dieu, c'est un grand homme qui s'en va, un homme multidimensionnel. On a vu l'intellectuel avec ses nombreux enseignements, notamment en philosophie. On a vu le pasteur, il a été archevêque ici à Douala. On a vu le bâtisseur. Je garde de lui un homme de vérité, un homme de sincérité, qui aimait beaucoup son pays et qui voulait la paix dans son pays. Et c'est pour cela qu'il cherchait tous les voies et moyens pour que vraiment la situation qu'on vit actuellement puisse trouver une solution. Le cardinal Christian Toumi s'était battu pour mettre en valeur un processus de dialogue entre le gouvernement, les séparatistes, les acteurs politiques et les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun.